Que Dieu vous bénisse. On s'excuse pour ce grand retard d'1h15. Je pensais qu'en commençant le pain à 17h, j'allais pouvoir finir tôt. Mais je ne me suis même pas reposé une seule minute. Depuis qu'on a quitté là, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait. Malheureusement, on n'a pas pu finir. Pardonnez-nous. Vous nous pardonnez? Que Dieu vous bénisse. On va se lever ensemble. On va lire une écriture juste. Et puis, on va lire une portion d'écriture. Et puis après, on va passer à la Sainte Cène. Bien-aimé Père Céleste, c'est ta grâce qui nous réunit ce soir. Une fois encore, nous voulons nous rassembler autour de ta parole. Parle à chacun de nous par ta parole. Instruis chacun de nous. Réveille notre conscience afin que nous puissions prendre garde à nous-mêmes et faire silence en nous, en toutes choses, te laissant toute la place. Ce soir encore, nous voulons que ce soit ton esprit qui oint chacun de nous, afin que rien d'impur, d'injuste, rien qui ne soit pas biblique, ne soit dite, parce que tes enfants sont déplacés pour n'entendre que ce qui vient de toi. Amen. Aussi que tu nous parles par le Saint-Esprit envoyé du ciel. À moi d'abord et à mes bien-aimés. Instruis-nous et garde-nous dans le creux de tes mains jusqu'au jour de la rédemption, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tenez-vous debout, on va lire une portion d'écriture. Je lis dans 1 Jean chapitre 2, verset 28. Et je poursuis au chapitre 3 jusqu'au verset 3. On reste debout. Mes chers amis. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissons que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Sinon, est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Vous pouvez vous asseoir. Très courtement, bien-aimés, c'est des choses dont l'apôtre Jean parle avec une certitude réelle. Et j'aime bien sa façon d'aborder les choses. Comme le lisons dans 1 Jean 1, il dit, ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché, c'est pas vrai? Si je regarde, ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et la vie manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui avons rendu, nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Jean ne parle pas par des fables habilement conçues. Il parle des choses dont il a été témoin. Et ça, c'est important pour notre temps également, que chacun de nous puisse faire une expérience afin que quand il parle pas par lui dire. Il parle parce qu'il parle selon ce qu'il a vu, selon ce qu'il a entendu et qui est réel et qui est biblique. Et ici, il nous dit maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance. Si nous ne demeurons pas dans le Seigneur, ce n'est pas sûr que nous ayons l'assurance quand il viendra d'être présent dans sa présence. Et c'est important que chacun de nous et une grande assurance en lui-même. Ayant une vraie foi, ayant vraiment entendu Dieu parler,
ayant vu Dieu agir dans sa vie, de sorte qu'il fait tout avec certitude. Il ne fait rien avec à peu près. Quand il parle à quelqu'un, il dit « Je sais, j'ai entendu, j'ai vu. » C'est pour ça que dans Actes chapitre 1, il dit « Vous ne pouvez pas être mes témoins sans le Saint-Esprit. » Nous avons besoin tous, hommes, enfants, femmes, nous avons besoin d'être témoins de Jésus pour que notre témoignage soit vrai, soit réel. Vous savez, tout à l'heure, lorsqu'on était à la maison, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mot. Il dit, j'ai laissé mon téléphone à la maison parce qu'il l'a mis en charge. Je ne sais pas quel mot, j'ai oublié quel mot qu'il a utilisé. Yapi, celui qui est... Hein? Comment? Affligé. Il dit, l'église est affligée. Les enfants de Dieu sont affligés. Que tu daignes retourner à l'église. Que tu manifestes un amour. Et que tu aies rencontré les autres pour parler avec eux. Je lui ai demandé, est-ce que tu sais combien de réunions j'ai organisées avec eux? Combien de fois j'ai parlé avec eux? Est-ce mon absence qui afflige les gens? Je ne sais pas. Si mon absence peut être un sujet d'affliction, que Dieu m'aide à ce moment-là. Parce que je ne veux pas être l'objet d'affliction de quelqu'un, quelque part. Là où les enfants de Dieu se rassemblent, Dieu est tenu d'être là. Parce que ce sont des enfants. Maintenant, si les gens se rassemblent et que Dieu n'est pas au milieu d'eux, suis-je le coupable? Je ne peux être coupable de rien du tout. Je ne suis qu'un humain, un homme, un mortel, une argile, une vermine. Frère, qu'on ne me lève pas au-delà de ce que je suis. Je suis un mortel comme vous. Je ne suis rien du tout. Mais j'ai dit un jour, pour ceux pour qui le Seigneur donne sa vie, s'il faut mourir, je suis prêt à mourir comme l'apôtre Paul a fait. S'il faut me laisser écraser, je suis prêt à être écrasé. Mais dans la vérité, pas dans le mensonge. Donc, frère, ici, il est question pour chacun de nous. Pour chacun de nous, afin que nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. C'est maintenant que nous devons nous assurer que nous sommes dans la bonne position, que nous marchons avec le Seigneur, que nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. Il fait quoi que ce soit pour plaire à quelqu'un. Bien-aimé, regardez bien, j'y pensais au serviteur d'Élisée, Éléazar. Cet homme qui était avec Élisée à tout moment. Élisée a prié même pour lui pour qu'il voie ce que nous autres ne voyons pas. N'est-ce pas? Gehazi plutôt, j'ai dit, Gehazi. Élisée a prié même pour lui pour qu'il voie ce que vous ne voyez pas. Il a vu une armée pleine les entourant pour les protéger. Mais cela ne l'a pas empêché d'aller demander à Naaman la richesse mondaine. Ça n'est pas empêché. Hein. Il était à côté, il était le serviteur d'Élisée, frère. Gehazi était serviteur d'Élisée, marchant avec Élisée, voyant les miracles tous les jours de la vie d'Élisée. Mais cela ne lui a rien apporté. Prenons garde. Afin que ce qui est arrivé à Gehazi ne nous arrive. Prenons garde. Ayons cette assurance-là, frère. De ce que quand il viendra, n'ont pas honte d'être éloignés de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu, appelés enfants de Dieu. Le Seigneur a tellement manifesté. Dans Jean 3, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet amour est tellement grand. Souvent, tout le monde prend ce verset-là pour penser que tout le monde va aller au ciel. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand que tout le monde peut faire n'importe quoi. Non. L'amour de Dieu est un amour de justice. L'amour, il est juste aussi. Il ne fait rien par favoritisme. Il rendra à chacun selon ses œuvres.
Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et quand Jean le dit, Jean sait pourquoi il peut dire qu'il est enfant de Dieu. Il le sait. Mais moi également, je dois savoir que je suis enfant de Dieu. Je dois avoir cette certitude. Et vous, individuellement, vous devez savoir que vous êtes enfant de Dieu avec certitude. De sorte que quand vous lisez ce passage-là, c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose à venir, mais quelque chose qui est réel aujourd'hui. Regardez bien. Regardez bien. Frère, dans Romains 8, il est dit, même la nature soupire après la manifestation des fils de Dieu. Même la nature, les arbres, les oiseaux, les lions, les panthères, toute la nature, même les poissons dans l'eau, tellement on les pêche à outrance, on les tue, qu'ils disent, jusqu'à quand les fils de Dieu vont se faire voir pour que nous ayons la paix. Parce que le jour où les fils de Dieu se feront voir, où on les reconnaîtra, c'est que le royaume de paix est bientôt là. Et quand le royaume de paix sera là, même un enfant pourra conduire un lion. N'est-ce pas? Il promet sa main même dans le trou d'un serpent. Rien ne lui fera de mal. Il n'aura même pas tort ni dommage sur la montagne sainte. La nature sera en paix pendant 1000 ans. Les fils de Dieu seront en paix pendant 1000 ans. Le diable sera enchaîné. Il n'aura plus de tentation. L'amour sera parfait sur la terre. Pour l'instant, nous sommes obligés de nous supporter les uns les autres. Oui, frère. Nous sommes obligés, Père, de pardonner, parce que si nous ne pardonnons pas, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Que Dieu aide chacun de nous. Je ne vais pas être long, parce que vous avez déjà passé 1 heure de temps déjà. Il se fait déjà nuit, nous allons faire la Sainte Cène et faire le lavage des pieds. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons. Alléluia. Oh, j'aime bien ce mot-là. Mais nous savons. Comme Pierre pouvait dire, mais à qui irons-nous? Parce que nous savons que toi, tu es le Fils de Dieu. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand toi, tu as la révélation que Jésus-Christ est le fils du Dieu vivant, mais tu es allé chez qui? Il n'y a personne d'autre chez qui tu es allé. Parce que plus tu vas dire, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel sur la terre. Tout pouvoir. Et je vais aller à qui d'autre? Qui a un pouvoir comme lui? Personne. C'est un vrai privilège pour les enfants de Dieu, pour les véritables enfants de Dieu. Vous savez, quand Jean sortait de l'Égypte, tout le monde disait qu'il était descendant d'Abraham. Mais dans le désert, le comportement de chacun a permis de savoir qui était vraiment de la descendance d'Abraham. Après, on n'a pas encore fait 100 ans avec ce message. Que, frère, j'ai l'habitude de dire, si le message devait faire 200 ans, nous serons pires que les catholiques. Et au moins, ils ont mis des règles. Ils ont mis des normes. Si tu n'es pas content, tu sors. Mais chez nous, nous disons, nous voulons marcher à la Bible. Malheureusement, nous réunions même cette Bible. Nous dénions même cette Bible. Nous avons la forme de la piété. Mais ce qui fait la force, nous l'avons rejeté. Nous avons rejeté ce qui fait la force de la piété. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais il faut le voir. Tu ne l'as pas vu, tu ne seras pas fait semblable à lui. Il faut le voir. Mais pour le voir, il faut être dans son corps. Il faut faire corps avec lui. Si tu ne fais pas corps avec lui, tu ne le verras pas. Il viendra prendre ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, c'est eux qui viennent prendre. Et il a dit, mes brebis entendent ma voix et ne suivront pas un étranger. Frère, vous savez, une brebis qui est élevée, vous savez comment ça se passe? Moi, j'ai l'habitude d'élever des chiens. J'ai des gros chiens chez moi.
Depuis son enfance, tu lui parles, tu es avec lui, il connaît ton odeur, il connaît ta voix, il connaît le thème de ta voix. Même quand tu es au loin, il sait que tu arrives. Personne ne peut que quelqu'un vienne imaginer ta voix, imiter ta voix, il ne réagira pas. C'est la même chose pour les brebis. Une brebis, elle est levée par le berger. Elle connaît le pas du berger. Elle connaît le thème de voix du berger. Allez-y imiter le berger, il ne bougera pas. Mais dès que le berger lui-même ouvrira sa voix, toutes les brebis sauront que c'est leur berger et ils viendront autour de lui. Ainsi en est-il du bon berger qui est Christ. Si tu fais partie de son pâturage, tu connais sa voix. Aucun homme, frère, ce qui est de Dieu ne peut pas aller ailleurs. Que Dieu nous bénisse. Et je termine. Quiconque, oh là là, un jour le frère Isaïe a développé ce mot quiconque. Quiconque. Quiconque, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Il dit quiconque, n'importe quelle personne qui a cette espérance, mais qui peut avoir l'espérance si auparavant il n'a pas rencontré celui qui donne l'espérance. Vous pensez qu'Abraham pouvait avoir une espérance s'il n'avait pas rencontré celui qui donne l'espérance? Non. Il a rencontré celui qui donne l'espérance. Celui qui produit la foi et qui l'amène à la perfection, Abraham l'a rencontré personnellement. Il l'a entendu. Il a parlé avec lui. Il a mangé chez lui. Abraham a donné le lait de veau gras, du pain. Il a mangé, il a bu, il était heureux et il a parlé. Frère, que Dieu nous parle. Pas seulement quand nous sommes à la chair, les gens sont à la chair. Même dans notre maison, que Dieu nous parle. Même quand nous sommes dans la rue, nous marchons, que Dieu nous parle. Vous pensez que Dieu ne peut pas parler dans la rue? Si. Si votre cœur tout entier à lui et que vous pensez à lui dans la rue. Parlez à lui dans la rue. Priez dans la rue. Marchez, vous allez voir. Dieu répondra. Et vous saurez que vous n'êtes pas seul. Vous savez, ceux qui ont peur souvent quand ils travaillent dans les cimetières, ils font exprès pour chanter à haute voix. Ils pensent que ça peut chasser les fantômes. Mais priez, parlez. Et puis si vous avez trouvé quelqu'un dehors, priez pour lui. Parlez avec lui. N'ayez pas honte. N'ayons pas honte de l'évangile. C'est la puissance pour quiconque croit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. On s'excuse encore pour ce retard. Mais je pense que vous avez eu le temps de chanter. De chanter beaucoup. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas fatigué. On va... Jean-Marie, tu vas nous chanter un cantique, ou bien parmi les frères qui sont chantent là, nous entendons un cantique et puis nous allons lire les passages. J'ai demandé à Frère Yapi de s'occuper de la scène ce soir. Il a fui encore. Je ne sais pas jusqu'à quand il va accepter de le faire. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre. Mais qu'on chante un cantique d'abord. Le 392. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi. Triomphant, oh, par la voix.
Je sais que quelques-uns vont me poser une question, je vais répondre en même temps. Tout à l'heure, j'ai demandé au petit garçon de ne pas toucher au tambour. Et c'est que vous avez remarqué, vous avez regardé. Bien-aimés frères, sachez que nous avons affaire à des choses saintes. On ne peut pas donner à quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus une œuvre de Dieu à faire dans sa maison. Prenons garde, respectons Dieu, craignons Dieu. Un garçon comme celui-là, quand il va quitter ici, il va aller se mettre à jouer au ballon dehors. Et quelqu'un dehors va venir, il va se voir, c'est lui qui joue ici, mais Dieu, il joue au ballon. Dieu, il l'insulte. Mais quand il arrive ici, c'est un saint. Mais depuis qu'il est saint, prenons garde, hein, frère. Ayons le discernement dans les choses de Dieu. Si Dieu apprend qu'il apprend ça dehors, jusqu'au jour où il mûrira, et qu'il donnera sa vie au Seigneur,
et qu'on verra qu'il a un bon témoignage. Et qu'on rend un bon témoignage de lui, alors, frère, parce qu'après ça devient difficile à gérer. Après ça devient trop compliqué. On va dire, bon, il n'a qu'à exercer le don qu'il a. Et puis demain, il grandit, c'est vrai. Il ne donne pas sa vie au Seigneur. On le voit avec les petits buveurs. Mais ce n'est pas l'enfant qui jouait avant là, dans le temple là. Qu'est-ce que vous allez dire? On le voit à les petites filles là, il court les petites filles désormais. Mais ce n'est pas celui qui jouait là ça. J'interpelle chacun de nous. Hein. Peut-être que nous sommes trop rigoureux. Mon frère aussi n'a pas été heureux quand il a vu, me voir. Mais soyons, faisons attention. Il y a des églises, je suis passé, j'ai vu ça, je me suis tué. Je ne veux pas aller, et puis on dit tu donnes des ordres. Et ils ont leur manière de faire. Le témoignage, ça les regarde. Mais là où je peux être autorisé à parler, je parlerai. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, je vais demander aussi votre permission. Je voudrais qu'à la fin de la Sainte Cène, mes trois soeurs viennent me chanter en lingala. Ou elles veulent chanter en français, moi je chante en français, mais elles vont nous chanter en lingala. Alors, le trio. Il y a Vincent qui peut vous accompagner. Il a passé son temps dans le Kassai, il doit pouvoir parler un peu. Que Dieu nous bénisse. On va lire quelques passages dans. Vous savez, ce n'est pas le lieu de faire rire, de plaisanter, ce n'est pas une plaisanterie, mais je vous souhaiterais qu'elle nous chante un peu. Moi, j'aime bien écouter nos bien-aimés quand ils chantent. Dans leur langue, ils ont des langues nationales, nous on n'en a pas. Ils ont la chance d'avoir une langue nationale. Il y en a deux. Il y a le lingala et puis là, le swahili. Et puis le chimango aussi. Ils en ont plusieurs. Vous arrivez en Tanzanie, ce n'est pas la même chose. Au Kenya, ce n'est pas la même chose. Une grande langue. Parce que quand l'autre, il est parlé partout dans cette zone-là, tout. Voilà. Hein? On va leur demander, on va chanter avec eux. Si elle veut chanter en français, on va chanter en français avec elle. Maintenant, si elle veut bien nous gratifier d'une chanson de leur langue maternelle, ça serait beau. Hein? Jean-Marie avec ma soeur chanter avec eux dans la journée. Ah ouais, tu t'es bien parti. Il s'est retrouvé au Gabon, là, du coup, là, non? Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Et puis je continue. Je viens un peu au verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Bien-aimé, c'est une interrogation qui est très forte. Pour dire qu'on ne peut pas jouer avec les choses saintes. Et en particulier quand il s'agit de la Sainte Cène. C'est important que nous sachions discerner le corps de Christ. Il n'est pas permis de jouer avec les choses de Dieu. J'ai lu ces passages pour que vous sachiez que maintenant nous allons commencer à être à la table du Seigneur. Et il y aura question que chacun de nous s'examine lui-même. Je vous ai rappelé une fois, quand tu as eu Lamsville, qu'un soir, alors qu'on faisait la Sainte Cène, il y a un soi-disant frère qui la veille est parti vivre n'importe comment. Pour lui, c'est une chose banale. Il est venu appeler la Sainte Cène. Il a pris d'abord le pain. Quand il a pris le vin, il est tombé. Dès qu'il a donné la coupe, il est tombé. On a dû le sortir pour lui demander, mais qu'est-ce qui ne va pas?
Et c'est là qu'il a dû confesser le mal qu'il a fait. Les frères ont dû prier pour lui dire, quand on lit dans la Bible, est-ce que vous voyez qu'on peut jouer avec ce que Dieu a ordonné? C'est une ordonnance de Dieu. On ne peut pas jouer avec, on ne peut pas le trafiquer, on ne peut pas le, je ne sais pas quel mot employer, le diffamer. Frère, prenons garde, craignons Dieu et faisons les choses comme Dieu lui-même l'a préparé pour nous. Au chapitre 11, où l'apôtre Paul a enseigné la Sainte Cène à partir du verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur. » Vous voyez bien comment c'est important? Regardez l'importance, comment l'apôtre Paul aborde le sujet. Il dit « Car j'ai reçu du Seigneur. » Je l'ai reçu du Seigneur lui-même. Paul n'était pas au temps du Seigneur, il n'était pas avec les disciples. Il est venu plus tard. Mais pour montrer que ce que nous faisons là, c'est un ordre divin, l'apôtre Paul nous dit, c'est un ordre qu'il a reçu de Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce n'est pas auprès de Pierre qu'il a appris ça, ni de Jean, ni de Pierre, ni de Jacques. C'est du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Frère, vous voyez ce que ça veut dire? Chaque fois que nous nous réunissons pour prendre la Sainte Cène, nous annonçons à nouveau la mort du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne, nous continuons d'annoncer qu'un jour, Christ est mort pour nous. Qu'un jour, il est parti à Gethsémané, qu'il a souffert, qu'il est parti à Golgotha, qu'il a versé son sang, et qu'il est mort pour nous, et qu'il est ressuscité, et c'est pour nous qu'il est mort. C'est pour ça que nous sommes obligés d'annoncer sa mort chaque fois que nous nous réunissons. C'est une chose importante auquel nous devons faire attention. Alors je poursuis. Au verset 23. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur boit et mange un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Tout à l'heure, les enfants me posaient la question. Si quelqu'un ne discerne pas qu'il mange, il va mourir physiquement. C'est des jeunes enfants qui n'ont même pas atteint l'âge de 15 ans. Quand ils m'ont vu en train de faire le pain, ils m'ont demandé, mais Pépé, donc ce pain-là, si quelqu'un va et il mange ça, il passe à la légère là. Il peut mourir? J'ai dit oui, il peut mourir. Il peut tomber malade gravement. Comment il peut mourir physiquement? Ben, c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis. Elle dit, ah, non, c'est sérieux, oui, c'est sérieux. Et puis en même temps, ils sont partis, ils m'ont laissé seul en train de prendre mon pain. C'est pour cela qu'il a parmi vous, bon, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Il y a une question certainement qui m'est venue tout de suite, je ne sais pas. Tu veux me poser une question?
c'est comment on a fait le pain. Je vais répondre. Thierry, vous me faites passer. Vous savez, frère, il y a une chose, avant de poursuivre. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut dire dans cette Bible, il a la composition exacte de la manière de faire le pain en dehors du levain. Il n'y a pas un homme. J'ai parcouru, j'ai lu et j'ai relu. J'ai cherché à comprendre. Parce que juste, c'est devenu un problème de doctrine, de difficulté. Et pour l'église de Côte d'Ivoire, c'est un problème. J'ai dû faire des recherches. Quoique j'ai les messages de Frère Branham, j'ai lu ce que Frère Franck a écrit. Et comme il y a beaucoup de divergences, dans ce niveau, à ce niveau-là, en Côte d'Ivoire, il y a deux grands groupes. Il y a un groupe qui est fondé sur le conseil de Dieu, où Frère Franck a cité Lévitique 2. Mais quand je lis Lévitique 2, à ma connaissance, au mieux de ma connaissance, on ne parle que des gâteaux. Et j'ai dans mon portable une question que quelqu'un a posée à Frère Franck. Sur la composition de pain. Il dit que ce n'est pas difficile. Si quelqu'un a déjà fait le pain, il sait que ce n'est pas difficile. J'ai dû interroger un frère qui a fait 10 ans en boulangerie. Il m'a donné toutes les qualités de farine qui existent. Et tous les modes de faire le pain. Il a fait 10 ans en boulangerie. Et je me suis résolu de faire comme Frère Branham fait. Ça n'engage que moi. Je me suis résolu de faire comme Frère Branham a fait. S'il a pratiqué, je le pratique. Si on dit je n'ai pas compris, c'est bon. Je ne dis pas que Frère Branham va me défendre. Non. Parce que je prends ma propre responsabilité. Et si quelqu'un ne veut pas manger ce pain, il n'est pas obligé de le manger. C'est pour ça que je vais vous faire voir ce que Frère Branham a prêché là-dessus. J'ai le message de Frère Branham, Frère Franck là. J'ai ça sur mon truc, il a dit, frère, ne mettez pas le levain. Le reste, celui qui a déjà préparé le pain, sait que ce n'est pas difficile. J'ai interrogé un frère qui a fait 10 ans en boulangerie. Parce que c'est devenu un problème de bataille rangée en Côte d'Ivoire. Et quelqu'un a dit, pour un morceau de pain, on fait des palabres. Ce n'est pas pour un morceau de pain, hein. C'est pour une ordonnance biblique. On ne connaît pas la brochure. Hein. Frère, le nom de la brochure n'existe pas. Non, si tu as celui-là, Branham, le pain, non, la brochure. Tu l'as extrait de la brochure. De quelle brochure? De quelle prédication? Question-réponse. Non, il y a un autre. Il y a un autre message. Non, ce n'est pas la communion. Il sait. Ces petits morceaux, c'est du pain cachère qui a été préparé sans sindou. Le mot sindou veut dire sans huile, sans graisse, sans assaisonnement, ni rien. Et ça représente le corps de Christ. Il n'est pas rond. On l'a rompu en morceaux. C'est parce que ça représente son corps rompu, qui a été rompu pour nous. Que Dieu accorde ses bénédictions à tous ceux qui le mangeront. Il y a un autre où il a dit, c'est fait par la main des saints. N'est-ce pas? Où c'était fait par la main des saints. Je vais vous dire une chose. Il y en a qui vont faire le pain dans Saint-Saint dans la boulangerie. Je ne sais pas qui pétrit ce pain.
J'en ai mangé. Je n'ai pas fait de reproches. Je n'ai pas fait de remarques. Et c'est pour ça que le matin, j'ai fait exprès pour vous faire lire, vous lire ce que Frère Franck a dit de l'enseignement de Frère Branham sur les doctrines, sur les principales doctrines. Le baptême du Saint-Esprit, la semaine du serpent, le repas du Seigneur. Il a dit tout était scripturaire. J'ai fait volontairement exprès pour vous faire lire ça. Pour que vous compreniez qu'on ne fait rien sans avoir la certitude de ce qu'on fait. Si la Bible dit, ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Et comme je sais que vous allez me poser la question, je sentais ça venir, j'ai dit, il faut que je réponde. Hein? Mon frère, donne-moi l'eau. Je suis allé d'Exode. Quand le peuple a mangé la première fois le pain, jusqu'au bout, je n'ai pas vu la composition. Ah, il a trouvé maintenant. Ce que je tiens ce soir dans ce petit récipient-ci, c'est le pain qui représente la chair de notre Seigneur, du pain caché, qui a été préparé par les mains chrétiennes. Et maintenant, il nous est présenté comme un signe du corps brisé de notre Seigneur. Donc, quand je réunis tous ces ensembles de messages, même dans la communion, tous ces éléments, je les mets sur la table. Et Frère Franck n'a écrit qu'une seule fois. Après ça, il n'a plus lu quoi que ce soit d'autre de Frère Franck, à part dans le conseil de Dieu. Il n'a plus écrit sur la Sainte Seine. Moi, j'ai été à Créfeld, j'ai mangé le pain. Ma soeur aussi est partie à Créfeld. Moi, j'ai pris la Sainte Seine en octobre 2007, là-bas. J'ai pris le pain, j'ai pris la Sainte Seine. Je n'ai pas fait d'histoire. Je n'ai pas posé de questions. Mais pas parce que je n'ai pas lu le conseil de Dieu. Je l'ai lu. Que Dieu nous bénisse. Alors, on va lire dans Matthieu 26 pour commencer à faire la Sainte Seine. Je lis à partir du verset 26 aussi. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Amen. Frère Yapi, je t'ai dit que c'est ton église. Tu me donnes de faire, mais ce n'est pas moi. Je suis responsable de l'église. Quand tu prends le pain, tu rends grâce, tu le romps. Mais depuis, à laver tes mains. Si ta main n'est pas propre, il veut aller laver sa main. Le pain doit être fait par les croyants, les chrétiens eux-mêmes. Vous devez le pétrir vous-même, le faire cuire au four vous-même, attendre jusqu'à ce qu'il soit bien cuit, vérifier. Et puis, moi j'ai vu sur le site de Frère Branham comment est-ce qu'il faisait le pain et même comment ils font le vin pour la Sainte Seine. Thierry, tu as le... Ce modèle-là, s'il te plaît, qui était sur le site de Frère Branham. Tu le sois en anglais et en français, s'il te plaît. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te
de ce que ce soit encore. Tu as permis à tout ton peuple de rassembler pour se rappeler, Seigneur, de ce jour-là, de ce que tu as souffert, tu as été brisé. Ton sang a coulé pour pardonner nos iniquités, nos péchés. Nous sommes rassemblés pour nous rappeler de ça. Je te prie afin que, Père, tu puisses bénir tous ceux qui se lèveront pour prendre ce pain au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui prennent le pain, ceux qui vont prendre la Sainte Cène, qui se lèvent, pour qu'on puisse leur donner. Ne prennent la Cène, c'est que ceux qui ont pris le baptême. Comme quelqu'un a dit, même ceux qui ont pris le baptême aujourd'hui peuvent prendre la Sainte Cène. Ils peuvent participer. Je peux t'aider. Hein? Il n'y a personne d'autre? Levez-vous pour qu'on voie que ce soit bon pas. Au moins, ça vous permet de faire. Il faut couper vos goûts un peu plus ici. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Seigneur notre Père, conformément à ta parole, nous te prions de bénir cette coupe que nous allons partager au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, par ton sang qui a été la rançon de nos péchés, nous souvenons que Seigneur, ce sang-là a coulé vraiment pour nous. Mm-hmm. C'est pour ça que nous conformons, Seigneur, à ce que, à l'ordonnance que tu nous as donné. Mm. Bénis et sanctifie tous ceux qui prennent cette coupe au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a fait trois pour aller vite. Une coupe ici, une coupe là, une pour les deux autres camps, pour aller plus vite. C'est tout. Et ils étaient 12 pour avoir une seule coupe. Nous, on est plusieurs, on ne peut pas avoir une seule coupe. Comme je disais, nous passons au lavage des pieds. Je lirai selon la tradition Saint-Martin ou le roi Jacques. Le souper prenant fin, au verset 2. Le souper prenant fin, le Seigneur, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Frère, c'est bien grave. Hein? Donc, ce n'est pas une chose avec laquelle on va jouer. Quand le Seigneur dit à Pierre, si tu n'acceptes pas que je te lave, tu n'auras pas de part avec moi.
Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Parce qu'il savait. Il savait qu'il y a un au milieu d'eux qui n'est pas pur. Quand il connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Quand on partait dans Jean 15, verset 3, quand Judas serait parti, alors il dit, vous êtes tous purs. À cause de la parole que vous avez reçue. Vous pouvez le lire dans Jean 15, verset 3. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pour vous que vous les pratiquiez. Ce n'est pas vous tous, ce n'est pas de vous tous si j'ai parlé. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Amen. Donc, nous sommes appelés à nous laver les pieds les uns les autres. Dans l'humilité, celui à qui on lave les pieds prie pour celui qui lui lave les pieds. Mais il ne pose pas les mains à celui qui lave les pieds. Ainsi, nous allons prier les uns pour les autres jusqu'à ce que nous avons fini. Les sœurs, c'est de l'autre côté, près du restaurant, si je peux appeler ça ainsi, du réfectoire. Les sœurs, j'ai dit, elles sont par là-bas ici. Ah, les sœurs sont passées ici. Donc, d'accord, les sœurs vont ici, les frères ici, là, de l'autre côté, près de la restauration. D'accord, sur le réfectoire, les frères seront sur le réfectoire, les sœurs seront sur le pavé ici. Il y a combien de 2 × 10. Donc, on a 20 chez les sœurs pour aller maintenant, et 20 chez les frères. 10. 10 l'avant et puis les autres, les uns les autres. 10 sœurs, ça fait 20 sœurs pour aller vite. 20 frères pour aller vite. Et nous demandons que dehors, on ne bavarde pas, on se lave les pieds tranquillement et on rentre dedans pour que les autres nous remplacent. Maintenant, ceux qui sont dans la salle resteront dans le lieu du temps pour continuer de chanter. Que Dieu nous bénisse. Sœurs, allez-y. Frères, allez-y. Commencez à vous laver les pieds. Il faut 20 personnes au niveau des sœurs et 20 personnes au niveau des frères. Dans un premier temps,